suis Tanya Leba, directeur général de La Boussole. Je suis originaire du Congo. Bienvenue à La Boussole pour cette activité. C'est le mois de la francophonie. La francophonie est tellement diverse. C'est avec plaisir que nous allons vous avoir avec nous pour cette activité. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Seoga. Je suis une nouvelle arrivante à Vancouver. J'habite tout près d'ici. J'espère que cette célébration va contribuer au renforcement de l'amitié avec le peuple communautaire. Merci beaucoup et je vous souhaite un bon séjour et tout le plein succès à La Boussole. Salut, je suis Eris, je travaille avec Sucé. À mon avis, ce projet est très important parce que le Vancouver est très très reconnu pour le multiculturalisme, mais je pense qu'il reste encore des barrières entre les groupes différents. Et je pense que ce projet est une très, très bonne opportunité pour faire le premier pas. Bonjour, mon nom est Isline Saint-Hil. Je suis la directrice générale de l'Association culturelle canado-haïtienne de la Colombie-Britannique. Je participe à ce projet avec La Boussole. Je crois que c'est très important pour Vancouver d'avoir ce genre de projet parce que c'est très multiculturalisme, le Vancouver. Donc, un genre de projet comme ça va nous permettre de faire un début, de mettre toutes les communautés, de rassembler, de mettre toutes les personnes ensemble. Je crois que c'est très bien, donc je suis très contente de participer à ce projet. Je m'appelle Mélodie, je viens de Suisse. Je suis arrivée à Vancouver il y a maintenant 2 mois. Et je participe à cet événement avec La Boussole, qui est un bon moyen pour moi de rentrer en contact avec la communauté francophone et de connaître les différents organismes à Vancouver. Bonjour, je suis Béatrice, la coordinatrice de l'Association francophone de Surrey. Notre association jouit d'une grande diversité culturelle que nous tâchons de mettre en valeur à travers l'ensemble de nos événements. Et participer à celui d'aujourd'hui nous permet justement de continuer à mettre en valeur la multiculturalité qu'il y a ici au Canada. Et je pense que participer à ce genre d'échange, de collaborer avec les différentes communautés alentour, ça nous permet de mieux nous connaître et de mieux vivre ensemble. Je m'appelle Alejandra, je suis mexicaine. Je travaille avec La Boussole sur plusieurs projets. Je crois qu'il est important de regarder ce qui nous unit plutôt que ce qui nous sépare. I've been working for La Boussole for different projects, and I believe that creating these spaces for the francophone for the different francophone communities to come and talk about what's working and what's not working and opportunities for collaborating, it's really important. Vancouver is a very diverse place, but we need to join efforts to find and share our assets and also network and celebrate our differences and be able to partner and learn from each other. Thank you. N'est-ce pas ce qui a été enseigné à moi? Parce que lorsque je tournais sur la télé, il me dit que la beauté est l'équivalent à taille 3, taille de soutien, c'est un doigt cheval blanc. Alors, c'est la clé du bonheur, n'est-ce pas? Comment pouvons-nous pas aimer le Canada? Cet amour réjouit au fond de nos cœurs. La joie et la fierté d'être appelé Canadien. Laissons que nous, les Canadiens, on puisse protéger nos valeurs qui nous ont été laissées par nos ancêtres. Cette nation demeurera magnifique parce qu'elle est constituée par des citoyens fiers. Oh!